La théorie du kinoglace de Vertov dit que la caméra est supérieure à l'œil humain. On dit que la caméra voit ce qui est invisible pour les yeux et rendrait perceptible l'imperceptible. Grâce à elle, on peut accélérer des images, on peut les modifier. J'ai découvert la supériorité de cette caméra. Lorsque j'ai été arrêté, je n'ai pas été arrêté comme juif. Et un beau jour, il y a un SS qui est venu me chercher. Et en cours de route, pour aller dans le bureau de son supérieur, je me suis dit, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Et je lui ai dit, écoute, tu sais, je vais te dire quelque chose. Je suis juif. Et il m'a dit, où est ton étoile? Je dis, je ne la mets pas. Alors il m'a amené chez son supérieur, qui m'a questionné, qui m'a fait enlever mon pantalon, parce qu'il voulait voir si j'étais circoncis, et si c'était vrai que j'étais juif. Et là, de ma ligne, je suis parti à Auschwitz. On dit que la caméra est supérieure à l'œil humain et qu'elle rend visible l'invisible. Mais moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est tout ce qu'on voit pas. Les préparatifs, les rencontres, les sorties, les liens qui se créent entre ceux qui travaillent ensemble. Je voudrais que l'on ne forme plus qu'un et qu'elle me fasse rencontrer les choses de la vie, les gens, les pays. Et si pour moi, la caméra était mon outil de rencontre, elle me permettrait de parler à des gens avec qui je n'aurais aucune chance de parler autrement. Oui, ben moi aussi. Ben moi aussi, je vais me charger aussi. Arrive. Ben non, je laisserai bien sans moi. Je changerai tout à l'heure. Bon, j'ai pas envie. Je vais mettre ça avec moi. Voilà. Que tais-toi. Moi, je ne me suis pas changée. Hein. Sur quoi? Alors, je me serai habillée. Tu vas remettre ton système? Oui, tu peux. Tu sais le remettre? Oui, oui. Juste pour Windows est prêt. Grâce à la caméra, je veux rendre visible l'invisible. Je voudrais rendre visible des gens que l'on ne voit pas. Puis,
rencontrer les autres, c'est pas aussi la rencontre de soi ?